gros coup de cœur de ce salon de Détroit, c'est l'ID.Buzz, le retour du combi. Mais là, il sera 100% électrique et il devrait arriver en 2022. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, le coup du combi, Volkswagen, ils nous l'ont fait plusieurs fois. Il y a eu le microbus en 2001, ensuite il y a eu le Bully en 2011, puis le Buddy. Et là, on se dit, bon, mais là, c'est bon. Mais non, cette fois-ci, il y a vraiment de fortes chances pour que ce monospace, parce qu'il s'agit d'un monospace destiné à 8 personnes, il y en a fortes chances pour qu'il soit enfin commercialisé. Il s'agit donc d'un monospace qui sera destiné à 8 personnes. Et le principe, c'est vraiment de pouvoir voyager en famille, entre amis. Donc une très grande modularité à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment une ambiance voiture à vivre, facile, on part avec des potes, etc. Donc le principe de ce monospace 100% électrique, ça sera donc d'être très confortable à l'intérieur avec ici un beau sofa, de la modularité avec cette console qui pourra avancer carrément entre le conducteur et son passager avant, ou venir ici, on pourra aussi mettre une petite table, les sièges tournent, les sièges avant peuvent tourner parce que en plus d'être 100% électrique, ce monospace aura aussi une vocation de véhicule autonome. On pourra donc voyager en mode autonome dans ce véhicule. Là, le volant est vraiment rabattu pour pouvoir permettre au conducteur de faire rien. Et puis sinon, pour reprendre la main, il suffira d'appuyer. Et là, on pourra conduire vraiment de manière traditionnelle.